Salut à tous les amis, c'est Rico de la chaîne ACA Prod. Voilà, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je vous ai cité des droits aux personnes gardées à vue. Cette vidéo est assez exceptionnelle puisqu'il s'agit d'un enregistrement en caméra vraiment très très caché d'une audition libre d'un gilet jaune. Alors j'ai été obligé de recouper par moment car il y avait des blancs et c'était inutile à la vidéo. Donc je vous la laisse tout de suite vous faire un avis sur la vidéo. Et ensuite, on se retrouve dans les commentaires pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Maître, est-ce que vous avez des observations à faire? Oui, j'ai des observations. Non, non, on va le noter. Ça dépend. Mais pourquoi? Parce que je préférerais que vous le fassiez par écrit. Non, mais ce que vous préférez, je m'en fiche éperdument. Moi, je vous dis que je vais faire des observations sur le procès verbal. D'accord. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, premièrement, monsieur a été convoqué en sa qualité de mise en cause. Oui, continuez. Ah, vous n'écrivez pas. Parce que vous pensez que vous allez changer. Non, je n'écris pas. Je veux que vous fassiez ces observations-là par écrit. Pourquoi? Parce que je vais les annexer au procès verbal. Vous pouvez le mettre au procès verbal. Non, je ne l'acterai pas. Ah, alors c'est qui décide? Parce que nous, on appelle le proc de permanence. Alors c'est qui décide? Je vous demande simplement de faire des observations par écrit. Oui. Si vous avez des observations à faire. Sur un procès verbal, c'est à l'écrit. Oui, mais vous les faites vous. Bon, ben monsieur, de toute façon, vous refuserez de signer le procès verbal. Parce que l'ensemble de vos droits ne vous ont pas été notifiés. Alors, maître Albert. Quelle refuse. Ah non, je n'ai pas refusé. Hein. S'il faut le faire par écrit, je les ferai. Hein. Mais je vous demande de le faire par écrit. Et moi, je vous ai demandé de l'écrire sur le procès verbal, c'est tout. Moi, je vous demande de l'annexer, alors, si c'est moi qui décide. Donnez-moi une feuille, oui, c'est vous qui décidez. Oui, oui, faites un peu ce que vous voulez. C'est vous qui décidez, oui, bien sûr. Alors, donnez-moi une feuille, s'il vous plaît. De toute façon, effectivement, il vaut mieux qu'elle soit formulée par écrit. Je crois que ce sera plus longue et plus détaillée. Non, plus longue, non. La procédure pénale, elle est très simple et elle est très claire. C'est même mieux, monsieur. Par contre, j'ai une question quand même à poser. Oui. Cette plainte de votre supérieur, oui. Elle est contre qui? Elle est contre monsieur. Elle est contre monsieur? Oui. C'est parfait. J'aimerais que ce soit noté, c'est une question que je pose. Je ne vais pas vous dire le contraire, elle est là, la plainte. Ah oui, mais moi, je ne l'ai pas vue, moi. De toute façon, vous le savez bien, voilà. Je ne l'ai pas vue. Oui, mais bon. Des choses qui peuvent être changées, donc si ça peut. En plus, je l'ai dit dans le cours de l'audition que la plainte. En plus, je l'ai dit dans le cours de l'audition qu'elle avait été déposée contre monsieur. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit dans les auditions. Après, ce qu'il y a sur le papier, c'est autre chose. Ben, c'est là, c'est aussi sur le papier, elle est là, la plainte, madame. Maître, pardon. Donc, s'il n'y a rien, monsieur, on portera plainte pour dénonciation calomnieuse. D'accord? Puisque monsieur aurait dû porter plainte contre X à ce moment-là. Mais si elle est portée contre vous, c'est tant mieux. Alors, est-ce que vous avez l'intention de signer le procès verbal ou pas sur les conseils de votre conseil? Attendez, monsieur. Vous pouvez déjà le relire et s'il faut modifier la dernière phrase ou autre chose, je le ferai. Non, la dernière phrase. Okay. S'il faut modifier la dernière phrase pour savoir si vous le signez ou pas, je le ferai. Tenez, je prends vos pièces d'identité. Bon, ben voilà, vous ne le signez pas. C'est bien ce qui me semblait, c'est ce que j'ai fait au procureur. Donc, je modifie la dernière phrase. C'est par rapport à mes observations que monsieur ne signe pas le procès verbal. Parce que nous, on n'est pas sur l'ordinateur. Il ne lui a pas été indiqué qu'il avait le droit de se taire. Par contre, ça apparaît sur le procès verbal, donc il ne va pas le signer. Du coup.
Vous lui avez simplement dit qu'il avait le droit d'être assisté d'un avocat. Donc faire signer après l'audition et sans lui avoir dit... Non, le droit de se taire, c'est avant qu'il parle, monsieur, quand même. Bah enfin, on ne dit pas à quelqu'un qu'il a le droit de se taire après avoir fait son audition. Le droit, c'est pas ça. S'il acceptait de répondre à mes questions. Non, la notification de ses droits. Ah non, mais c'est comme ça, monsieur. Eh oui, le code de procédure pénale, on va pas le refaire dans la nuit pour vous. Eh ben oui, mais moi non plus. Voilà. Moi, je veux simplement que les droits de monsieur soient respectés. Alors, si pour vous, ça sert à rien de lui dire avant, ben, écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux pour vous. Mais c'est pas ça, le droit. Sur ça, monsieur, vous n'avez aucun souci à vous faire. Hein. Des jurisprudences, on en a plein jusque-là. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour ça. C'est inscrit sur le code de procédure pénale. Ça, c'est un vice de procédure. C'est terminé. L'affaire, elle est terminée. Ben oui, on vous fait signer un procès verbal, alors qu'on ne vous a pas notifié vos droits. Mais par contre, sur le procès verbal, il est indiqué qu'on vous les a notifiés. Donc vous n'allez pas signer un procès verbal qui indique qu'on vous a notifié vos droits, ça n'a pas été fait par l'enquêteur. Voilà. Vous avez pas mal. Oui, mais moi, c'est pas ce qui vous a fait ça tout à l'heure. Hein, ouais. Pour le Pikachu. Non, mais vous l'avez dit. Ah ben, moi aussi, je le dis maintenant. Ouais. Voilà. Alors si pour lui le code de procédure pénale c'est pas important, ben tant pis, que voulez-vous. Pour les magistrats, ça l'est. Voilà. Et la plainte, on va la suivre, hein ? Ouais. Ah oui, nous on portera plainte pour dénonciation calomnieuse, hein, s'il n'y a rien au dossier. Hein. Donc, monsieur le caissier, maintenant, je vais vous conduire à mes collègues de l'identité judiciaire qui vont procéder à votre signalisation. Ma quoi ? Pardon ? Ma quoi ? Signalisation. Et s'il refuse ? Ben, s'il refuse, je ne sais pas si... Il recevra une convocation devant le tribunal. Voilà, comme ça je l'entendrai. Ouais. S'il refuse. Ben ouais, mais bon. Ben, je vais appeler le parquet. Ben, appeler le parquet, hein. Je vais l'appeler. Mais oui, il n'y a pas de notification de ses droits et on va prendre maintenant ses empreintes, oui. Son identification. Ben oui, ben oui. Continuez à bafouer la loi, allez-y. Donc je vais appeler le parquet, je vais voir ce qu'il veut faire de cette procédure. Appelez. Oui, descendre, je m'attends en bas à l'accueil. Oui, pas de soucis.